obsession caused this great foulness, and it is shameful that I must rely upon you to set it right. Et on est de retour. On est de retour pour notre... pour mon obsession. Apparemment. Alors. La dernière fois, on a dû fuir un combat. On m'a dit de prendre des DPS un peu plus gros, en fait. C'est surtout pour ça que ça s'est mal passé. mais par contre, on a découvert que... Ouais, elle est où l'autre? Elle. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment, vraiment sympa. Pour faire de l'argent. Et ça, honnêtement, je crois pas qu'elle existait quand je l'ai sorti. Je sais plus. Enfin, en tout cas, moi, elle me dit rien. Elle me dit rien du tout. Et le fait qu'elle puisse récupérer autant de babioles et tout ça pour... Enfin, pas des breloques. Mais ouais, des babioles pour vendre, hein, je veux dire. Hein, genre les pièces, les artefacts un peu bizarres, là. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, dès qu'elle est dispo, je pense qu'on va faire des runs... genre des runs argent. Argent. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, l'équipe 3. On va l'appeler l'équipe 3. L'équipe 3 est toujours pas prête. Il y a toujours elle qui se paye du bon temps. Il faudrait vraiment enlever, en fait... le réflexe lent, parce que j'ai peur que ça se lock. Est-ce que ça... obsession pour le meurtre. Je sais pas trop ce que ça fait. Je pense que si elle voit un cadavre, elle va peut-être le toucher ou un truc comme ça. Après, en ville, fréquenting my maison, quoi, ça va. En ville, ne bois jamais, ça va aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que... ouais, ça va bien avec elle. Avec les deux, là. J'ai même envie de le locker, quoi. C'est... carrément. Il y a réflexe lent. Bon, après, c'est pas énorme. Hein. C'est pas trop chiant, les réflexes lents. Mais... enfin, bref. Alors, on a ça. Qu'est-ce qu'on a comme équipe de prêtres? Il y a lui qui est intéressant. En docteur. Je crois qu'on a un boss à faire en niveau 1, c'est ça? On a un boss à faire en niveau 1, mais on n'a pas l'équipe. On pourrait prendre donc lui. Lui. Ça fait 2. C'est embêtant parce qu'on n'a pas de soins. Enfin, on a très peu de soins. Pour un boss, c'est embêtant. Hein. Pour un boss, c'est très embêtant. Il nous faudrait des vestales, en fait. C'est un peu la sûreté, le vestal. Mais ouais, on a zéro vestal. Enfin, on devait zéro. On a qu'un seul vestal, quoi. Ça, c'est embêtant, ça. Bon, on va faire des petits trucs pour passer le temps, je dirais, pour le moment. Toi, on va pas te toucher. Parce que toi, je voudrais te prendre avec nous pour le boss, peut-être. Enfin, est-ce que t'es vraiment intéressant pour le boss? C'est bête qu'il fasse pas de... comment... de debuff, en fait. Enfin, pas de debuff, de dot. Toi, t'es superbe. Toi, on va te... ouais, on te garde. Alors, lui, on peut l'utiliser, lui. À la limite... Toi t'es trop stressé. Putain, on a pas de choix là. Et lui il faut l'augmenter. Genre ça. Toi. Oh mon dieu, t'as effacement. Oh putain. T'es sans déconner. Attends. Classe. Vitesse et esquive, oui c'est ça. Aïe 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 aïe.
Toi, t'as quoi? T'as maladie moins 50, t'as pris... Ah oui, t'as la rage. Ah, c'est sympathique comme maladie, ça. Enfin, c'est sympathique. Enfin, c'est compliqué, c'est spécial, hein, mais bon, pour lui, par exemple, je pense pas que ça soit très utile, parce que lui, il est là surtout à mettre des dots, donc faut toucher. Ouais, faut surtout toucher. Mais si on arrive à monter un DPS avec de la précision, il gagnerait un dégât augmenté. C'est con, ça, on en a que deux des trucs comme ça. On peut voir si. Là, t'as lui. Qu'est-ce qu'on fait? On le vire celui-là? Juste parce qu'il a la rage. Ah, il a des dégâts encore en plus. Putain, c'est vrai que. Précision et critique sur les humains. Ça coûte cher d'enlever les maladies ou pas? Je n'en ai jamais enlevé encore. Genre rage. Ah, ça va. Ça va, ça va. Augmente les chances de soigner des maladies supplémentaires. Après, une fois que c'est à 100%, les améliorations, ça fait quoi? Ouais, on peut enlever la rage. Ouais. Il est déjà niveau 1, à la limite. Aïe, 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 aïe. On n'a pas vraiment de bonne équipe, là. Il y a lui que je voudrais monter. En fait, faut que je gère comme ça. Ce qui je voudrais monter et pourquoi. Donc toi, je voudrais te monter parce qu'on n'en a qu'un seul de docteur. Toi, je sais pas trop à quoi tu sers. Tu peux faire du soin. Tu peux pousser. Là, t'as quoi? Là, t'as du dégât avec des marques. Esquive moins 10, moins 20, ça c'est pas mal. Fusée de ralliement. Alors, ignore la furtivité, torche. Retire un étourdissement, retire la marque, stress moins 1. Autre héros, chance 60%. Ah, ok, c'est intéressant. Tire à l'aveugle. Ouais. Précision et critique, moins 15%. Ah, ça c'est pas mal ça, tu vois. Pour que si jamais on a des gens qui pour un peu esquiver. Alors. Si on le met en deuxième, on peut faire de l'étourdissement. Mais à côté de ça. J'aime bien la taillade, mais putain, la vitesse esquive. Ah, mais tu me fais chier d'être pourri en fait. Enfin, tu me fais chier d'avoir un truc aussi horrible, quoi. Ouais, là on a du mal. On n'a pas de vrai temps. Enfin, toi effacement, j'ai envie de le jeter en fait. Qu'est-ce qu'on a qui est dans la roulotte là? On a lui à la limite. Et toi, on va te virer. Parce qu'en fait, faut payer encore pour enlever ça. C'est chiant.
Bon, c'est un peu le seul qu'on a aussi en même temps, je sais, mais il est pas unique, quoi. Ça veut dire que là, on va pas le jouer. Donc après, il faudra lui enlever ça. On a plus important à faire. On a plus important à faire. Donc désolé, mais. Slumped shoulders, wild eyes, and a stumbling gait. This one is no more good to us. Alors, fais voir. Pa pa la ta ta la. Alors, le wild, c'est là. Explorer les pièces. C'est quoi ça? Les lépreux, soins reçus plus. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, précision, critique et stress. Pour les lépreux. Précision 8. C'est pas mal ça. Ce serait bien qu'on aille récupérer ça du coup. On fait voir si on peut s'équiper avec une bonne équipe. Alors, toi tu peux paralyser, tu peux étourdir l'arrière avec infection arrière. On le joue un peu pareil à chaque fois, honnêtement. Ouais, on les joue un peu pareil. C'est vrai que t'as du saignement aussi. C'est vrai que c'est un peu abusé. Ok, très bien. Alors toi, je sais pas trop. Donc ça peut pousser les deux à l'avant. Là, tu peux tirer sur les deux à l'arrière avec de la précision. Moi, ça c'est bien pour du coup bah, qui loupent en fait. Ceux qui font de la réduction, enfin de l'augmentation de stress et tout ça. Là, on a des dégâts à l'arrière, c'est bien. Je voudrais bien quelqu'un. Ouais, non, il nous faut du soin. J'allais dire quelqu'un qui marque, mais il n'y a personne qui marque là. Marque la cible. Ah, ben voilà. Marque la cible. Ok. Ah, toi, tu peux pas faire ça. On peut te mettre en deuxième, toi, ou pas? Non. Non, 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 non. Là, on aurait un étourdissement. Là, on a un étourdissement. C'est un peu mieux. Je crois que là, c'est un peu mieux, là. Je crois que c'est un peu plus intéressant là comme équipe. Étourdissement, étourdissement, dégâts. Poussé. Soins supplémentaires. Soins. Et buff, bourrin, comme d'hab. Par contre, on va lui enlever ça et on va lui prendre la pluie de regret. La pluie de regret. Ok, je pense qu'on a une équipe. On voudrait ça, parce que le bidule a l'air pas mal. Et je crois qu'on a une équipe plutôt solide. Alors là, par contre, la question c'est est-ce que je prends le couteau ou alors je prends le debuff? Bah, bonne question. Bonne question. J'aime bien le debuff. Le coup de couteau a l'air d'être pas mal en fait. Il y a beaucoup de crits. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de crits la dernière fois. Il fait des bons crits. On va en chier pour le stress, mais on va se débrouiller. De toute façon, il va falloir quand même utiliser les jambes au bout d'un moment. Alors. Ah, on avait pas fini la mission, donc on a perdu la chance d'avoir ça. Ça, c'est un deuxième. C'est con, ça. Ça, c'est un peu bête. Alors, critique et. Non, on va te mettre à toi, je pense. Alors, déplacement, malus. Il est où le machin? Il est là. Ça m'intéresse. Change de repérage et piège sur elle. Je pense que ça doit être vachement bien parce qu'elle doit être comme un bandit en fait. Toi, t'as les bonnes attaques? Oui, t'as les bonnes attaques. Nickel, nickel.
Alors, médecin de peste, étourdissement en plus. Et on va te mettre, du coup, vitesse et esquive. Toi, t'as déjà de l'esquive. Alors... on peut lui mettre du saignement en moins. Toi, on va te mettre du stress en moins. On va te mettre de la protection. Ouais, là, c'est plus dégâts, parce qu'on n'a pas de vrai dot. Enfin, aussi, on a du saignement, et c'est tout. Bon, on a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Les skills pour dormir. Parce que si on fait un long truc. Ouais, mais ça coûte super cher à débloquer. Donc il va falloir... Toi, tu dois bien avoir un truc super sympa. Alors c'est quoi? Tous les compagnons, vitesse plus 4. Plus 2, pardon. Pendant 4 combats. C'est pas top. Retendre l'arbalète. Précision, dégâts et crit. Ah, ça c'est bien ça. Par contre, vitesse moins 2. Okay. On peut prendre retendre l'arbalète. Non, c'est le. In time, you will know the tragic extent of my failings. Je vais y arriver. Hein. C'est là. Je vais y arriver. Hop. Alors, retendre l'arbalète. Ça m'a l'air pas mal. Après, toi. Alors là, on a empêche l'embuscade. C'est marrant qu'elle ait pas d'empêcher l'embuscade, l'autre. Là, on a des dégâts. Empêcher l'embuscade, ça c'est bien. Ces deux, j'aime bien là. J'aime bien. Réduit la lumière de 100. Stress, un compagnon soigne. Ok, non. Uniquement sur soi, stress moins 25, tous les compagnons stress de 10 à 5. Ah, ça peut être intéressant vu qu'il a augmenté son stress lui. Ah mais on a que 6000, merde, on peut pas... Ouais, non, on peut pas se permettre d'avoir plus là. Bah, on va devoir faire avec... après, est-ce que je peux vendre? Ah oui, je peux peut-être vendre des trucs vite fait. Distance. Enfin, j'en ai tellement peu que honnêtement, j'ai pas vraiment envie de vendre non plus. Je pense que c'est pas... Ah, des pelles. Deux pelles. Ouais. Let's go. Ah, j'ai pas mon site. Pas mon site avec le Wikipédia, là, les curios, là. Ok, c'est bon. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. Alors, on doit faire tous les combats. They must be flushed out. Après, je suis pas fan d'avoir une équipe comme ça, un peu nouvelle. Où on doit faire que des combats. Je préfère faire les salles, parce qu'à la limite, les salles, on peut gérer. Ok, ça commence bien. Ambushed by foul invention. Sans déconner, quoi. Et on n'a pas la mixture. Putain, pour une fois que je prends pas la mixture, quoi. Putain, tu vas me rendre fou, ça. Putain, on a
en 11 tours, quoi. Esquive, évite. Il va me tuer ce jeu. Il va me tuer ce jeu. T'as de l'esquive en moins en plus avec la main. J'avais pas vu ça. C'est bien ça. Alors. Pas mal. Ah mais va te faire mettre avec ta résistance. Mais tu te fous de moi? Infection 10%, étourdissement 10%, saignement 30%, quoi. Oh, merci quand même. Oh Dieu. Alors toi t'es protégé, toi tu fais un peu chier, tu fais mal. Dégâts, Christian. Ah oui c'est vrai que putain je suis con. Je vais voir un peu comment on les repousse. Okay. Ça nous aide pas des masses. Je sens que ça va mal se passer. Non mais sans déconner quoi. Ah oui, non, ça va complètement mal se passer. Non, mais ça va, c'est cool. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On n'a pas de stun à l'avant en fait. En fait, celui-là qui stun, c'est celui-là qui soigne. Donc au final, c'est un peu la merde.
Ah oui, évidemment. Ah mon dieu, oui, si tu le fais deux fois, tu... Oui, oui, oui. Évidemment. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. The slow death, unforeseen, unforgiving. Compliqué, hein. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Compliqué tout ça. Il nous faudrait du repérage, mais bah, apparemment l'autre elle veut rien branler donc. C'est très très limite. Ok, très bien. Confidence surges as the enemy crumbles. Oula. A hand's breadth from becoming unwound. Oh la triche, putain. Oh mon dieu, il a essayé de tuer l'autre, quoi. Ah mon dieu, je vais... Ah ouais, il perd l'agonie, intéressant. Très intéressant. Their formation is broken. Maintain the offensive. Alors, protection et vitalité et vitesse, putain. Un jour j'arrêterai de dire vitalité. Un jour. Ouais, on peut le jeter, je crois. Aïe 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 aïe. Bien joué. Reste cool, mec. Mais c'est quoi ces... Putain, elle peut strictement rien faire. C'est quoi ces chances
de saignement et tout ça qui loupe tout le temps, quoi. Mais c'est incroyable. Ah mais là, je suis sur le cul, hein. Ah, c'est sûr que c'est pas l'autre, hein. Le niveau 3, hein. Je sens qu'on va la bloquer, elle. Ou alors on bloque un des deux, là, parce que ils vont faire chier. Toi. Évidemment. Lol, 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 lol. Non, mais non, Alpha. Putain, merci. Sinon, elle peut pas tirer, quoi. Putain, pour un point, elle va pas mourir. Et toi? Toi, ça va. Decimated. Ah, des dégâts encore en plus contre des gens marqués, ça c'est pas mal ça. Merde. Pas sur la bonne. Il va nous foutre le bordel tout le long, lui. Incroyable. Genre il est codé pour casser les couilles en fait. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est... incroyable. A pas fait beaucoup, enfin lui il a protection aussi, il a beaucoup de protection. Là c'est juste un dégât. Là c'est bon. J'ai commencé à utiliser la restauration en fait plus souvent. Parce que au début, je pensais que cette attaque, c'était tout le temps genre saignement plus. Genre 100% de saignement en fait, automatiquement. Mais en fait, non, c'est géré par sa résistance de base. Donc en théorie, si on augmente sa résistance de saignement, bah du coup, bah, il peut mettre du régène partout quoi. Sans vraiment de problème. Donc bah c'est vachement bien. Non, t'es sérieux? Attends, j'ai peut-être pas perdu mon tour. Oui, ok, ça va. The wounds of war can be healed, but never hidden.
J'ai vu dans mes rêves mes cauchemars. Ne survivront pas, je le sais. Arrête de dire ça, c'est déjà assez la merde comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va le tuer, je pense. Ah, on va le tuer vite fait, quoi. Ah, l'équipe elle se débrouille, hein, mais bon. On va dire que c'est pas la joie. Hein. On va dire que c'est pas vraiment ça. Hein. Ça c'est quoi ça déjà? C'est de l'eau bénite, je crois. Désolé, mais faut que je regarde. Ça s'appelle comment de l'eau? Machin truc en eau, moteur. De l'antivénom. Ça. Ah bah oui, mais on l'avait déjà fait, pardon, désolé. Est-ce que ça soigne le stress? Je me rappelle plus. La réponse est non. Let's go, yes. Watch your step. Oh yes, 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 yes. Très bien. Maintenant, tu me fais un repérage quand on est très très loin de tout, ça c'est cool ça. Je vais passer mon temps à me plaindre avec cette équipe, comme c'est ouf. Incroyable. Mais t'as que 60%? Oh, mais c'est chaud. Lui, il a 70, il a plus, quoi. Moi, je suis surpris, là. Alors, ça, alors, pas touché, ça, ça ira. Là, on va devoir combattre. Elle devra le tuer avec son tir. Ah, c'est vraiment la merde dans le stress. J'ai envie de camper. Oh non, c'est le pire que t'aurais pu faire. Je te déteste. On va soigner avec son attaque. Ouais, doucement, doucement, doucement.
de l'infection. On peut voir, là, quoi, elle a 10 HP. Évidemment. Évidemment. Ouais, comme ça, lui, il va mourir directement. Sans déconner. Oh mon dieu. Ah, ça te donne envie de... Et voilà, c'est bien. The mind cannot hope to withstand such an assault. Incroyable. Incroyable. Mon Dieu. Et en plus t'es dans mauvaise position, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire le soin militaire, c'est vraiment stop. C'est wouhou. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Eh ben. Ouais. C'est sérieux? Ok, on a eu de la chance, putain. Ça c'est quoi déjà? Ah, de l'eau, ouais, de... Ah oui, ça c'est le buff, c'est la version marine du buff en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On a encore toutes ces ressources. On a encore toutes ces ressources, on va pas rentrer maintenant. On va camper ici, on va prendre ce buff là, je crois. On a que 6 torches par contre, faire gaffe. Ah, parce que c'est un peu de la perte, parce qu'on... On revend pas très cher, en fait, par rapport à ce qu'on achète. Évidemment, lui, il a pas les trucs de... pour le stress. Alors, on avait dit ça, c'était pas mal. Stress moins 10 sur lui. Ouais, ils ont un peu de la merde. Hein. Tout le monde qui va stresser. Mais bon, ça empêche les embuscades.
Osez le nier. Oh, il l'a pas fait. Va bien te faire mettre uniquement sur soi. Du soin, vitesse plus 3. Soigne une maladie. Ah, c'est vrai que oui. Remettre du fouet. Soigne une maladie. Ah, c'est pas mal ça. On peut aller prendre quelqu'un qui a une maladie et la soigner comme ça. Ah, oui, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Alors, on en a encore 6. Tous les compagnons, vitesse plus 2. Plan de bataille. Toi, t'es déjà stressé à mort, honnêtement. Donc bon. Que les pouvoirs de l'horreur se répandent. Je peux vous montrer les endroits où la douleur est la plus agréable. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Cet endroit est terrifiant pourtant, je me sens détendu. Ah bah t'es bien le seul. Hein. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Du coup... Ah oui, du coup, c'est qui va prendre le buff? C'est la question. Parce qu'il n'y a que vraiment elle qui fait des dégâts, mais elle est déjà buffée à fond, quoi. Elle a déjà 40% de dégâts. À la limite... Toi, tu pourrais prendre le buff pour aussi faire un peu plus de dégâts, pour un peu... Je pense. Ouais, c'est juste 18%, elle a déjà 40 en tout, sur les... Ouais, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal. Packs laden with loot are often low on supplies. Mechanical hazards possessed by evil intent. Mais va bien te faire mettre, hein. Va bien te faire mettre. Bon, on saura que l'arbalétrier, pour moi, dans ma tête... Ah mon dieu. Dans ma tête, ça pouvait être une sorte de pisteur et tout ça. Enfin, ça pouvait être bien. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça, en fait. Poisson. C'est pas ça. Ça doit être l'autre. C'est quoi le poisson? Faut que je regarde. Ah non, c'est l'herbe médicinale. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Et on n'a pas d'herbe. Putain, mais à chaque fois ici, il faut prendre plein d'herbes médicinales en fait. Ouais, non, c'est l'autre, c'est l'herbe médicinale. Oh là là, là, je fais de la merde. Eh ben, on a fait, j'ai fait de la merde dans ce. Ils ont 50% de résistance au saignement. Ah bon, on va s'amuser, tu vois.
vitesse 16. Très bien. Après, elle marche bien avec la, le marquage, elle. Hein. Vraiment cool. Hein. Ça va. Hein. Sur deux, on va marquer. Ne stresse pas mon mec là. De lui je veux le réutiliser. Il stresse vraiment grave tout le monde, c'est vraiment chiant. Je prends l'habitude de prendre des herbes beaucoup plus souvent. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Les herbes pour enlever les malus et après interagir bien sûr avec les trucs quoi. Ouais, faut vraiment que je pense à prendre ça. On a une salle secrète ici. Attends. On a une clé. Yes. Yes. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse. Ah putain, j'aurais pu prendre ça. Obstacles, les curios, oh, c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter là. On va faire ça. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Let's go. Let's go. The pungent odor abates. The things are driven back for a time. Bon, au final, ça c'était compliqué, mais ça s'est pas si mal passé. Hein. Je suis content quand même. Je suis content, ça va. Étude des ruines. Bon, elle est sympathique, mais il faut absolument avoir du marquage. En plus, elle marche autour du marquage, genre quand elle fait un critique, elle a un buff, encore une fois, un dégât plus contre les marques. A fresh irritant, the sum. A sanguine memory to me.
La boue d'énergie après avoir fusé dans la maison close. La boue d'énergie. Mais t'es sérieux, elle a eu à bout. Elle a eu un debuff. Ville, moins 4. Aïe. Ils font tout pour me faire chier. Prépare une séance de flagellation. Et ne souffre plus de frayeur. Ok. Alors, les deux maladies ont été guéries. Très bien. Ok, plus de fragilité. Ok. Ah, ils sont... Ils cherchent les emmerdes. Hein. Ah, complet, oui. Ils cherchent les emmerdes, hein, les gens, quand même. Ah tiens, on a un chien. Lui... Ouais, lui, il faudrait que je le teste. Faudrait vraiment que je le teste. Je vois un peu ce qu'il peut donner au groupe, en fait. Qu'est-ce qu'on peut augmenter pour... Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Je voulais bien augmenter ça, mais je me suis dit... Je pense qu'on va devoir faire les armes au bout d'un moment. Parce que le niveau 3, on a... Voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors, fais voir un peu. Ah, on a une sirène à tuer. Alors, attends. Par niveau. Alors, 1, 2, 3. Oui, mais on n'a pas de vrais soins, à part lui. Est-ce qu'on fait le prince porcin, là? Où ça, la tanière? Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment de vrais soins. Ah oui, toi, t'as des dégâts en plus. Mais t'as précision en moins. Là, à la limite, ça, c'est intéressant, mais le coup d'avoir de la précision en moins, ça me tue un peu, quoi. Uniquement pour bouffon. Uniquement pour croiser. Temps de stress reçu plus 15%, compétence de soins 33 et dégâts moins 10. Je dirais bien pour ça, mais c'est long et l'autre elle a été un peu debuff. Enfin, quoique l'équipe a l'air pas mal. J'ai bien envie de tester le long. Extermination, pièce de combat vétéran.
me fait un peu peur en fait d'y aller avec mon équipe. On fait voir ça, ça, ça. Alors. On a l'esquive, le stress et tout. On a l'étourdissement, la protection. Après, on m'a dit que il y avait le châtiment qui pouvait être intéressant aussi. Mais bon, je pense pas. Ah oui, il pourrait se marquer. Il pourrait se marquer, mais je sais pas. Je sais pas quoi enlever en fait. C'est ça le problème. Bon, lui il marche très bien avec étourdissement et tout. Toi tu me fais chier d'avoir une vitesse aussi pourrie là. Là tu me fais vraiment chier. En fait il faudrait t'enlever là, déjà ça. Et après il faudrait que tu te reposes parce que je sais pas, en ville t'as trop, tu t'es trop amusé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais être honnête, je voudrais bien faire un truc niveau 3, mais, il faut qu'on enlève ça. Parce que sinon, ça va passer à 3700. Ouais, sinon, ça va passer à 3700. Donc, on va enlever réflexe lent. De toute façon, après, il n'y a pas grand-chose à garder. Compétences de soins au campement, non. Moins de stress reçu dans les maisons closes. Oui, c'est bien pour baisser le stress. Mais après, plus tard, on en aura peut-être plus vraiment besoin. Des dégâts en plus, c'est pas intéressant. Après, la précision contre les humains, ça peut être intéressant si elle veut faire genre un stun. Mais bon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Hein. Mais ouais, non, on va lui enlever ça. Avant que ça coûte trop cher, en fait. Toi, t'as pas besoin de te reposer. T'es à 27, ça va. Toi non plus. Donc, on va refaire une petite équipe. Mais ouais, peut-être le boss, alors. Le boss niveau 1, là. Le porcin. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là, on a une sorte de tank. Bon, il a plus de PV que la normale, ce qui est pas mal. Là, ah oui, et l'autre là. Ah oui, il faut virer son stress à elle, j'avais oublié. C'est la seule qu'on a en plus. Pour faire de l'argent. Argent, argent. Toi, t'aimes quoi? Oh, t'aimes rien du tout, quoi. Ouais, va au bar. En fait, ils sont tous... Oui, c'est vrai que j'ai... Oui. Notre équipe est stressée. Toi, t'étais pas mal. Toi, t'étais sympathique, on va dire. On va pas dire pas mal, faut pas exagérer non plus. Mais t'étais sympathique. Pourquoi t'as des afflictions? Affliction de quoi? Moins 10% pour l'affliction. Quelle affliction? Je vois rien du tout. Ah, la paranoïa, ok, ça marche. Euphorique. On peut pas voir ce que ça fait. Non, on peut pas voir.
4300. Ouais, on m'a dit de pas trop jouer, parce qu'on peut, perdre des trucs, on peut perdre de l'argent et tout, quoi. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Donc, boss, prince porcin. Je vais voir. C'est tous des niveaux 2. Ça devrait aller. Je vais voir toi. Alors, on a Monsieur Tank spirituel. Par contre, t'as pas de soins. On n'a pas vraiment de gros soins. Toi, tu vas tirer vite. Ça, il paraît, ça fait vachement mal. À la limite, on peut faire un truc genre comme ça. On le fait tirer à bout portant. Dès le début, je crois. Je crois qu'on peut faire un petit truc comme ça. Ça, c'est contre les cibles marquées. On n'a pas de marquage. On a du saignement. Genre, au lieu de prendre ça, on prend le tir à bout portant. Je vais voir. Après, toi, t'as le soin. Attaque de derrière. Dégâts et protection en moins. La traction. On peut... prendre le marquage à la place. Donc du coup, en théorie, toi, tu ferais plus de dégâts avec ça. Là, on a le... ouais, le normal et tout. Toi, tu... stress plus 20% contre les bêtes. Ouh, ça c'est pas bon ça. Infection, stun, soin. Ça me paraît pas mal. Et que ça que je pourrais enlever et mettre tir à bout portant à la place. Je crois bien que ça fait des bons dégâts. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le jouer comme ça? Je sais pas trop. Je vais voir, bout portant. Recule et ça pousse. Le truc, c'est que ça fait vachement mal. Hein. Dégâts 50% dès le début. Alors que tous les autres... c'est très bas. Enfin, c'est bas. Non, c'est pas très bas, mais. Mais c'est intéressant. Le régène, il commence à devenir vachement intéressant maintenant. Là, je crois qu'on tient une équipe. C'est juste que, bah, il nous faut un peu de soin, quoi. Putain, c'est cher. Méga cher. Là, ça augmente la vitesse en fait, c'est vachement bien. Je pense qu'on est bon pour le prince porcin. Ouais, je pense qu'on est bien. En théorie, ça pourrait one-shot plein de trucs, quoi. Vitesse 10, il a de base. C'est ouf.
J'ai envie de prendre réflexe vif aussi, honnêtement. Peut-être la prochaine fois, on va lock les réflexes. Alors, fais voir un peu. Alors, le bandit, compétence à distance. C'est tout distance, hein, tout ça. Il n'y a que le l'ouvre-veine, en fait. Ah tiens, est-ce qu'on fait un système où il fait tir à bout portant avec... genre ça va le faire reculer. Et après il fait ça. Ah mais ça c'est du mêlée. Ouais c'est du mêlée donc... Vitesse et esquive. Tourdissement plus 15%. Alors là, on a de l'infection. Non, toi, c'est pas infection, toi. Là, on a compétences critiques et précision. Critique, précision. Déjà que t'as de la précision en moins. Toi par contre je sais pas quoi te mettre. J'ai peur qu'ils perdent la vitesse plus 2 là. En attribut. Mais bon, sinon on va jamais faire le. Genre désarmer un piège 10%, esquive plus 5, zone de stress reçu. Ah oui. Moi c'est le repérage que j'aime bien en fait. Voilà, on peut faire peut-être comme ça. Voilà ça. Je sais pas. Non, c'est pas mal comme ça. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on tient quelque chose. Donc là, on a les soins et tout. Là, on a les dégâts. De loin et de près. Là, on a... Ah oui, lui, on voulait lui prendre la marque. Comme ça, ça aide le tireur. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait peur tout ça. Alors, il ouvre avec tir à bout portant. Après, lui, quand il jouera son tour, il fera marque. Après, on fait... Le tir au pistolet. Avec la marque, ça fera encore plus de dégâts. Enfin, après, on gérera par rapport à ce qui reste. Toi, tu peux toujours stun, mettre de l'infection, soigner et remettre de l'infection. Toi, tu peux faire du saignement partout, comme d'habitude.
On a que 6000. J'ai envie de dire, il nous faudrait peut-être des choses. Ok, on a les cloches, c'est un des plus importants. C'est méga, méga cher. Non, aïe. Alors on a les torches, on a le soin, les pelles. Ok, je pense que c'est bien là. Là, on est bien équipé, on a de tout. Ah, pas de problème. Ouf, go. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Okay. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. C'est la première fois qu'on va tester le tir à bout portant, donc j'ai un peu peur de ça en fait. J'ai un peu peur, est-ce que ça va bien fonctionner? Oh la vache. Est-ce que ça va bien fonctionner ou pas? His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ah, fait du... Si on a, en théorie, on devrait faire du repérage assez souvent. Donc, bah, c'est bien. Alors, fais voir un peu. Seize. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, non? Ah mais eux, ici, ils ont un peu de résistance à l'infection. Ça va être un peu un problème. Attends, là tu vas faire combien de dégâts? 3, 7, et tu vas faire 5 de saignement, c'est ça? 4. Il y a une chance qu'on le tue. Très bien. Étourdissement encore. Voilà, très bien. Alors, contre la marque, une 9 à 16. Press this advantage. Très bien. Give them no quarter. Très bien.
Toi, tu fais chier. Est-ce que toi, tu vas jouer? T'as 7 de vitesse. Est-ce qu'on peut encore le rostener? T'as 110% de résistance, ça va être chaud. Johnny. Là j'aurais pu mettre un regen s'il allait mourir, mais il allait pas mourir donc. Ok, ça c'est très potable pour le moment. À la limite c'est con que le tir à bout portant il fonctionne une fois. Ça tapait où le ça? Ça pouvait taper 1, 2, 3 devant. Et après ça remet, ça met riposte. Ouais. Après j'aime pas trop danser mais. A handsome reward for a task well performed. Aïe aïe aïe. Alors, on a une porte secrète. Qu'on devrait garder pour la fin. Je pense. Là on a un obstacle. Là on a un buff. Faudrait qu'on aille vers le boss en fait, rapidement. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Putain, on les surprend pas quoi. Joli. Continue the onslaught. Destroy them all. Très bien, il est mort. On teste l'étourdissement encore? Yes, bien joué. The slow death, unforeseen, unforgiving. Ouais. Je crois qu'on va le tuer, j'ai pas envie qu'il joue en fait. Faudrait bien mettre un petit régène et tout ça, mais je crois qu'on va tout simplement le tirer. As victories mount, so too will resistance. Je vais être honnête, je pense qu'on l'a bien build là notre bandit pour le moment. Il est vraiment cool. Il doit sûrement être en haut à droite, j'imagine. On a deux buffs à prendre.
On pourrait passer par là pour faire un peu plus de repérage et voir où il est. Ok, donc là on a un buff. Là on a un obstacle. Comme ça, on enlève l'obstacle. Packs laden with loot are often low on supplies. Repérage. Merde, pas de repérage. Alors, je dirais d'aller faire le coffre. À la limite, on l'ouvre pas parce qu'on est un peu plein. Oh. Très bien. Ouais, on l'ouvre pas. Ah, attends, j'aurais pu taper lui pour le tuer en fait. Oh, c'est pas grave. J'aurais dû marquer. Je fais un peu de la merde. Ah oui, on peut le dire, je fais de la merde. Ça, il va mourir. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Je devrais tuer lui, qu'est-ce que je fais, putain. Slowly, gently. This is how a life is taken. Voilà, très bien. À toi des dégâts. Ça fait combien de dégâts? De 3 à 7. 5 à 10. Est-ce que ça stack ou pas? Ah yes, 4 PV. Pas mal. C'est bon. Precision and power. Seize this momentum. Push on to the task's end. Pas de repérage. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pour mettre les chances de notre côté, le plus de chances de notre côté. Genre on va là-bas, on a combien de torches? On a 8 torches encore. On va là-bas. Ce qui me fait peur en fait, c'est de pas avoir assez de torches en fait. C'est vraiment ça qui me fait peur. Non. On va ici, on fait le combat, on campe. On campe.
On revient pour récupérer les secrets à la limite. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire un demi-tour. Bon, là, il y aura un combat à faire, c'est pas très grave. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait le deuxième buff. Ça nous fera deux combats en tout, après le camp. Et après, boss. Je pense que c'est la meilleure des choses. Ah oui, mais il y a ce coffre aussi à reprendre. Ou alors, on le prend maintenant. À la limite. Ah, attends, on n'a plus qu'une clé. Attends, on n'a plus qu'une seule clé. Ah, on n'a plus qu'une seule clé, donc on va utiliser la clé sur le coffre. Est-ce qu'on peut le forcer, le coffre, ou pas? Genre avec une pelle. Ça se force avec des pelles, le coffre? Chest. Anti-venom. Ok. Okay, très bien. Ah, c'est stratégique tout ça. Hein. Que l'autre soit pas passé en premier. Infection à 100%. Eradicated. Très joli. Très joli. C'est bête qu'il ait pas de protection, lui. Vraiment bête. A trifling victory, but a victory nonetheless. Alors, nickel. Donc ça, je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est. Ah, ça enlève un truc négatif, d'accord. Donc au final, c'est pas vraiment ce que je pensais. Bon, c'est bête, c'est pas grave. On va camper maintenant, je crois. Donc après, on revient ici. Donc on aura un combat. Ça va, on va gérer. Après, on reprend le centre. Jusqu'au centre, là. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais.
gathered close in tenuous firelight, an uneasy companionship. Nickel. Alors, sens de bandit. Quatre combats, on a normalement on a un deuxième ici et c'est tout. Et après ça sera boss. Donc on sera encore buffé. Alors on pourrait augmenter ses dégâts, je dirais pas non. Soigne une maladie. Est-ce que ça vaut le coup de soigner sa maladie ou pas? Il fait moins de dégâts et moins de précision. Il a 20% de PV en plus. Ah mais c'est cher de soigner une maladie. Ah non, c'est que 2. Très bien. Après, t'as de dégâts plus 20. Qu'est-ce qu'on fait? On buff encore lui en plus? Genre, on le buff à fond? On lui met encore des dégâts en plus? Je dirais d'augmenter lui, moi. C'est combien? C'est 2? Là, il y a quoi? C'est du soin, avec des soins reçus. Uniquement sur soi, non. On va faire ça. Et après, je pense que je vais lui enlever la maladie. Il va perdre un peu d'HP, mais on aura plus de précision et un peu de dégâts. Que ma chair sacrée soit purifiée. Ouais, c'est, je pense que c'est mieux. Bon, notre cultiste, il a intérêt de bien jouer. Ce qui est con, c'est qu'on n'a pas vraiment de vrai tank où genre on peut protéger l'occultiste ou des trucs comme ça. Ça me fait un tout petit peu peur. In Radiance, may we find victory. Alors, les trucs négatifs. Notre tireur, je crois. Stress contre les bêtes. Il y a ça, stress contre les humains. Inférieur. Ouais, fais voir un peu. Ok. T'as enlevé celui-là qui était le moins, honnêtement, le moins intéressant à enlever. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Ah bah ouais quoi. Casse-toi avec ta merde. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall.
Ok. En fait, là, je voudrais bien faire des allers-retours à va-et-vient, mais on a que 8 torches. J'ai un peu peur que ça foute la merde, en fait. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Putain, ça, ça m'intéresse. Protection 25. Après, il y a plus de stress, mais protection 25, quoi. Merde, vache. Genre ça, là, on perdrait du de la précision et du critique. Mais on gagnerait en protection. Compétence de mêlée. Qui c'est qui fait du mêlée? Ben, y a que lui en fait. Ah, c'est intéressant ça. Après, il va baisser un peu en critique, mais... Enfin, en dégâts, en fait. Mais là, protection 25. On a le temps de... On a le temps de voir venir si jamais ça pose problème. Mais ça me paraît pas mal, 25 de protection. A fortune waiting to be spent. Après, c'est le stress, parce que c'est pas dangereux. Ah, t'es sérieux? Oh non, on va pas commencer, hein. On va pas commencer à faire de la merde. Merde, ça lui a pas fait de dégâts. These
these nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Yes. Ok, le boss il est en... Non, il y a un combat. Attends, combien? Deux combats. Ça va. On est ok. On est ok. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on jette? J'ai bien envie de jeter l'eau bénite en fait. Enfin quoi que non. Ça c'est quoi? Étrange nourriture, je sais pas du tout à quoi ça sert. Parce qu'on en fait. Je vais regarder. En fait, je regarde pour aller plus vite, en fait, pour savoir quoi faire. Mais j'aurais tout utilisé parce qu'on a tout. Donc, apparemment, c'est ça. On a enlevé les germes. De la nourriture. Très bien. En fait, on enlève les germes. Dans un sens, c'est même logique, hein, les choses comme ça. C'est même limite logique. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'explications, en fait, pour vraiment bien comprendre ce qu'il faut faire. C'est ça le truc. Je crois qu'on n'a pas besoin. Ah putain, on a un truc ici aussi. Non, mais sinon ça ferait trop de combats en fait. Faudrait faire tout le tour et tout. On n'a pas d'obstacle. On n'a pas d'obstacle. Est-ce qu'on a encore des une clé? Non, on n'a pas de clé. Donc on va garder la pelle si jamais on doit forcer. Forcer une serrure. Aïe aïe aïe, les portraits, on peut pas en transporter beaucoup hein, quand même, hein. Putain. En 3 tours. Si on avait encore un autre tireur, on pourrait faire marquage et après retirer. Genre deux tireurs et un machin là. Ça pourrait être intéressant. Soigner sert à rien. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ok, nickel. Boss time. On a encore un combat avec plein de buffs. On n'a pas besoin de... Non, on peut rien faire. On peut faire ça. Full vie. Ouh. C'est parti. The light, the promise of safety. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'es gros. A travesty. A blundering mountain of hatred and rage. Oh. Faut le tuer le petit ou pas?
Oh mon dieu. Ok. D'accord, j'ai compris. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Si je fais ça... Oui, de toute façon, attends, il n'y en a que 3 qui vont jouer. Ouais, ça va pas le tuer, merde. Oh mon dieu, il faut du soin en AOE, quoi. Toi, tu vas mourir. The ground quakes. Well struck. Quelle merde. Ok, ça va. C'est l'autre qui fout la merde, hein, je crois. C'est le petit qui fout la merde. Il faut le marquer, il faut absolument le marquer. Précision moins 10, ça c'est bien. Saignement 8, 10, ça va, 18 de dégâts. Oh là! Ça fait mal! Death waits for the slightest lapse in concentration. C'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné. How many rats will it take to not... Oh la vache, on se casse d'ici. On se casse. Donc, ok, alors lui, il faut des AOE de soins de ouf, quoi. Ah ben, on a gagné au dot. Hein. On a gagné au dot. Hein. C'est très puissant, les dots. Ouais, d'accord. En fait, il faut un soin. Il faut quelqu'un qui soit complètement immunisé. Qui soit complètement immunisé, en fait, au. Comment ça s'appelle ? Houston, oh putain, ah oh, ça m'a fait stresser quoi. Ah de pas connaître les monstres en avance, honnêtement c'est dangereux. Parce que là on était super bien équipé et qui genre l'équipe elle était super puissante et tout. Comme d'habitude en fait le coup du saignement plus plus infection, mais mais le coup de l'AO stun en boucle, putain. Bon, c'est bien passé honnêtement, on a eu pas mal de trucs. Ah, c'est bien, on en a plus en niveau 3. Eh, on a eu des bons trucs, hein. Ouh, l'anxiété. Ouh, la vache. Le mur, c'est des armes, oui, c'est pas mal. Alors ça... Oh, yes! Ah oui, du coup, est-ce qu'ils vont sortir stressés, mourants? Comment ça se passe? A fresh irritant to some. A sanguine memory
to me. Ils vont sortir comment? Ah non, ça va. Putain, je suis content. Bon, l'anxiété, par contre, c'est un peu la merde. Alors ça, ça a été utile, hein, au final. Hein. Ça a été vachement utile, ce truc. Alors... On a des choses à bloquer. Fixe 2, le nombre de places dans la branche médicale. Ça, ça pourrait être utile. Il nous en faut combien? 6. Ça fait 30, on a 38. Bon, ça va, on peut faire ça. Enfin, après, est-ce que j'ai besoin de deux places pour le moment? Pas vraiment. Alors toi, pour le moment, on n'a rien à lock. Ah, dégâts plus 10%, mais bon. Après ça, ça fait super mal, hein, j'ai remarqué. Ça fait très mal. En fait, il faudrait un système pour genre baisser, monter CHP. Genre on les baisse beaucoup, puis après on fait cette attaque là, ça fait très mal, puis après on les remonte. Enfin, après il se met des debuffs, donc c'est un peu la merde. Ouais. Non, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop comment... Après oui, il gagne un buff quand il est bas en vie. Ouais. Faudrait le pousser au maximum, lui. Je sais pas encore trop comment ça fonctionne, le flageon. Je sais qu'il a des choses spéciales. Genre quand il est mourant, là, il résiste plus et tout. Ouais. Faudrait faire des tests. Alors toi, t'as... je crois que c'est lui qui a eu un truc super. Donc tu as vitesse 2, esquive 5 de base. Et maintenant tu as vitesse 4, esquive 5 au premier tour. Et après là on a vitesse 2 normalement. Toi tu as talent pour le pari. Je pense que vitesse 2 tout le temps, c'est pas... C'est vachement bien. Mais... Je pense que sur ces gardes, c'est plus intéressant pour le bandit. Je dirais. Parce que, ben, en fait, on refait le même système avec le tir à bout portant, là. Genre, dès le début, tir à bout portant, c'est quasiment du one-shot. C'est quasiment du one-shot. Honnêtement. Donc, c'est très intéressant de passer en premier. Puis après, le coup de l'esquive, hein, bien sûr. De l'esquive en plus dès le premier tour, comme ça, il risque rien. Parce que les premiers, deuxième tours, c'est un peu quand on établit les buffs et tout. Donc, je dirais de lock ça, en fait. Putain, qu'est-ce que c'est cher! Vache! Parce qu'après, je pourrais mettre du vitesse 2 tout le temps, mais bon, la vitesse, c'est pas... Il a déjà plus de là. Ouais, non, je suis sur ses gardes. Est-ce que c'est de plus en plus cher? Parce que putain... Ah, ça y est, elle est bonne. Ok, elle a plus le debuff. Encore une fois, on n'a pas d'argent. Oh, l'autre, elle... Non, l'autre, elle a pas fini de déstress. Putain, mais elle reste combien de temps là-bas? Vache, faites chier les gens. Fais voir un peu les niveaux.
Ouais, on commence à avoir pas mal de gens niveau 3, c'est bien. On a un peu de choix en plus, c'est tous des différents. Ah oui, les gens qui nous proposent. Donc on se quitte. Ah, oh, yes! Ah mon Dieu, merci. Nous en faut une. Après, qu'est-ce qu'on a? On a encore un machin. Ah, ça c'est. Attends, ça c'est pas mal. Nous on a quoi? Par classe. Est-ce qu'on en a un de mec comme ça? Non, on n'a pas. Que toi, t'as dégâts en distance et mêlée, tu vois. Alors ça c'est de la distance, distance, mêlée, mêlée, mêlée. Oh! Hein! Est-ce que ça serait pas super intéressant pour lui en fait? Juste des dégâts en plus pour toutes ses attaques. Tout simplement. Ouais, faudrait le tester. C'est quoi? 100 d'horreur uniquement sur ça. Sur soi, pardon. Résistance, infection, saignement, maladie. Stress plus 20%. Ouais, putain. Et ça fait quoi quand il stresse, lui? Parce qu'il n'y a pas un système spécial avec lui. Gestion de la colère uniquement sur soi. Stress plus 20. Et tous les compagnons moins 10. Mental d'acier, dégâts 25%, tous les compagnons stress. Vitesse 4. Pourquoi? C'est important qu'il monte le stress en fait. Après, il peut faire absolution. Donc c'est stress moins 7 tout le temps. Moins bof. Je sais pas. Transformation sur soi. Alors, résistance à l'infection, dégâts en plus, soigne. Tous les autres héros, bah, ils stressent. Après, en bête, on passe en humain, on a vitesse moins et on a moins de stress. Ouais. Faudrait le tester. Ça, il a l'air intéressant, mais il a l'air compliqué à utiliser. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour enlever le stress pour lui. Genre pour aider dans le groupe. Je penserais à un croisé avec le cri de ralliement qui peut aider. Mais je veux bien le prendre lui parce qu'il a deux trucs vraiment cool. Et après elle, comme ça on a un soin de plus. Toi non, parce que on en a déjà trois. C'est même un peu trop, honnêtement. Mais ils sont tellement pratiques, ces mecs-là. Je vais voir comment. Ben, il me faut 15 papiers. Merde, je suis pas compté apparemment. Ah non, c'était pas 15, c'est 20. J'ai dit 15. Oui. Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Honnêtement, c'est fou ce qu'ils ont fait quand même, hein. Le fait que les niveaux 3, là par exemple, ils peuvent plus revenir dans les niveaux 1 et tout ça, moi c'est ce qui m'avait rendu fou hein, sur le coup. Hein. La toute première fois que j'ai joué au jeu, c'est ça qui m'avait rendu fou et qui m'avait dégoûté du jeu en fait. Parce que, en fait, c'est au moment où tu commences à monter un peu tes persos, ça devient fun parce que bah, tu es plus résistant et tout. Mais du coup, tu peux plus utiliser tes persos. Voilà. Et ils veulent plus y aller, donc t'es obligé de repasser de passer maintenant sur un niveau 3 avec des persos qui viennent à peine de monter niveau 3. Donc la difficulté elle remonte du coup et ça te fout dans la merde. Et moi la première fois que j'avais joué quand il était sorti le jeu, c'est ça qui m'avait rendu fou, hein. Le fait que on arrive enfin à avoir des hauts niveaux, puis après on est obligé d'aller là et je me faisais tuer direct.
Mais bon, comme j'ai dit, après, je connaissais pas vraiment le jeu. Je fonçais comme un débile. Là, honnêtement, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe nettement mieux. On va devoir faire un petit run, je pense. Ça ou ça, la prochaine fois. Ou alors même ça, tiens. Jusqu'à ce que elle revienne. Et après, il faut qu'on ait une bonne équipe. Et qu'on fasse un très bon run, je pense. Genre peut-être un run moyen. Bah, il nous reste plus grand monde, en fait, niveau 2, par contre. Ah, ça va être la merde. Et elle est toujours niveau 1, 0 même. On n'a pas de tank, en fait. On n'a pas de... Ah, si, lui, il peut faire... oui, non. Ouais, on peut faire un petit run sympa avec elle. Même si c'est court. Enfin, pas la prochaine fois, il faut encore laisser passer un tour. Mais même si c'est court... Du coup, court, ça voudrait dire qu'elle va pas trop monter en stress. Donc, elle pourrait rejouer immédiatement. Vous voyez? Donc, ça peut être intéressant. On a des bons trucs, ça. Ça a été vachement utile. C'est la protection. Là. Protection, je trouve ça vachement bien. Putain, je suis content d'avoir tué le porc. Hein. Oh là là, le porcin, là. Qu'est-ce qui m'a fait baliser? Maintenant, on a quoi? On a un nécromancien, on a chair inachevée, ça a l'air dégueulasse. Enfin, c'était bien. On va s'arrêter là, on continuera la prochaine fois. Je suis content, ça se passe bien. À la prochaine, ciao!